C'est un artiste majeur du XXe siècle. Jean Dubuffet est né en 1901 et mort en 1985. À la fois peintre, sculpteur, constructeur d'édifices, musicien ou encore écrivain, ce touche-à-tout de génie a également passé sa vie à rechercher et collectionner l'art brut. Alors, l'art brut pour Dubuffet, c'est des ouvrages qui sont réalisés par des gens qui ne sont pas artistes. Il dit que ce sont des ouvrages qui sont réalisés par des personnes indemnes de culture artistique. Des artistes qui s'ignorent en quelque sorte. Alors pour ce faire, il va chercher tous azimuts. Il va chercher dans les hôpitaux psychiatriques, c'est bien connu. Mais il va aussi chercher dans les campagnes, dans différents coins de ville, dans les classes populaires notamment, et trouver des petits bijoux qui relèvent de ce qu'il appelle l'art brut. Ses recherches le conduisent notamment en Suisse, où il passe 2 semaines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il va notamment venir ici, au MEG, où il va rencontrer le directeur de l'institution, Eugène Pitard, et son assistante, Marguerite Lopsiger d'Ellenbach. Et avec eux, il va se balader dans le musée et il va découvrir des choses qui vont le choquer, au bon sens du terme, notamment des peintures populaires africaines, c'était du moins le terme qu'utilisait Eugène Pitard. L'artiste est également captivé par des masques. Ce masque-ci, c'est un masque inuit. Celui-ci, c'est un masque des Anglais qui vient probablement de Côte d'Ivoire ou du Libéria. Ça, c'est un masque papou. Et puis, les autres masques qui sont là, on pourrait se demander d'où ils viennent, de quelle contrée lointaine. Et la contrée lointaine, c'est le Valais suisse. Hein, ce sont ces fameux masques du Tchagata qui vont fortement impressionner Dubuffet. On parlait d'art primitif à propos des masques. Et d'un coup, de voir des ouvrages qui étaient réalisés dans le cadre de ces traditions alpines, qui étaient des ouvrages qui rappelaient les masques africains ou les masques papous, ça mettait le bazar dans les catégories établies. Ça lui plaisait beaucoup. Mais les liens entre Dubuffet et la Suisse ne s'arrêtent pas là. Durant son voyage, le collectionneur découvre les créations de nombreuses personnes, dont le vaudois Jules Doudin. Il gribouillait en fait des dessins très, très efficaces, très immédiats, très synthétiques, très grotesques aussi, sur des tout petits morceaux de papier qui n'avaient jamais le même format. Donc voilà, on se libère, je dirais, de ces contraintes. On ne se libère même pas parce qu'on ne s'en soucie pas. Et donc on est dans la pure création. C'est ça l'art brut pour Dubuffet, hein, c'est cette espèce de singularité absolue d'une création qui ne ressemble à rien d'autre qu'à elle-même. L'artiste s'inspire également de l'art brut pour confectionner ses propres œuvres. Les créations de Dubuffet tranchent avec la culture académique. Comme il le dit, l'art doit toujours faire un peu rire et un peu peur. Vous voyez, c'est extrêmement provocateur, hein, cette manière de peindre, très sommaire comme ça, a priori, parce qu'il y a un vrai métier ici de coloriste chez Dubuffet, il faut se rapprocher, regarder la pâte ici avec tous ses rayons de couleurs et autres. Et puis il a appelé ce personnage Desnudus. Un faux latinisme, comme si c'était un terme latin, mais pour se moquer aussi de la pédanterie qui est souvent associée à la culture et à l'art, l'homme, il est rendu à sa stricte nudité, à sa banalité. C'est comme un programme esthétique, mais aussi philosophique au sortir de la guerre que de proposer cela. Et comme Dubuffet est un artiste entier, ses œuvres ne s'arrêtent pas forcément aux surfaces d'un tableau. Alors lui, on l'appelle le triomphateur. Il y avait des danseurs, hein, qui revêtaient ces costumes et qui marchaient avec, d'un pas comme ça assez étrange, assez saccadé, assez lent. Ce sont des costumes qui s'apparentent au carnaval. C'est quelqu'un qui ne va jamais se laisser enfermer dans une manière donnée, hein, qui va toujours changer de style. Et c'est cette diversité, c'est ce côté très prolixe de son œuvre qui va faire qu'il va s'imposer comme un artiste un peu incontournable, qui est toujours dans la création permanente. L'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, est à découvrir au musée d'ethnographie jusqu'au 28 février 2021.